Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. 12e vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui, je vous propose 8 variations shuffle pour être totalement à l'aise avec le style blues. C'est parti! Dans la famille des rythmes ternaires, le shuffle blues est un style qu'il faut absolument connaître, sous peine de se voir exclu de certains projets musicaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose 8 formules à vous mettre sous les doigts pour ne plus vous poser de questions à son sujet. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le mouvement principal est le fameux tac, 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 tac. C'est à ça qu'on reconnaît le shuffle. Pour comprendre cette rythmique, nous découpons le temps en 3 croches égales, puisque nous sommes en ternaire, et nous ne jouons que la première et troisième croche de chaque temps, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est important de garder ce mouvement en tête, car il va nous permettre de rester en connexion avec le style. Nous utiliserons 2 ostinatos de pied pour aborder nos différentes variations. Le premier très simple, avec 4 temps à la grosse caisse, et le deuxième, la grosse caisse jouera le shuffle, un peu moins facile. Et nous superposerons par-dessus 4 formules de main. Vous verrez que les ghost notes ne seront pas en reste. Pour un même motif de main, nous enchaînerons les 2 ostinatos de pied par groupe de 2 mesures pour nous familiariser avec la bascule de l'un vers l'autre. Dans l'exercice 1, la main droite jouera le shuffle au charlet et la main gauche à la caisse claire jouera 2e et 4e temps. Un bon exercice préparatoire avant de s'attaquer à des formules un peu plus complexes. Exercice 2, toujours en gardant le shuffle main droite au charlet, nous allons solliciter notre main gauche pour jouer une formule en ghost note qui sonne comme ceci. Ti ta ti ta, ta ti ta ti ta, ta ti ta ti ta, ta ti ta ti ta. Et on constate que la main gauche joue un triolet de noir qui démarre sur la 2e croche du premier temps, comme ceci. Ti ta ta, ta ti ta, ta ta ta, ta ta ti ta, ta. On rentre bien dans le vif du sujet.
L'exercice 3 fait appel à la notion d'unisson, puisque les deux mains vont jouer simultanément le shuffle. Tac, 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 tac. Et fatalement, avec le deuxième ostinato de grosse caisse, les trois membres vont jouer le même mouvement. Une formule qui donne beaucoup de puissance au shuffle. Exercice 4, voici une version qui vous sera très utile sur les tempos rapides, puisque nous allons partager le shuffle entre la main droite qui jouera un shabada jazz, ting, ting, ti-ting, ting, ti-ting, ting, ti-ting, et la main gauche qui jouera un demi-shuffle, ta-tac, tac, ta-tac, tac, ta-tac, tac, ta-tac, tac. On est parti pour cette nouvelle version. Pour faire swinguer ces exercices, ne pensez pas trop mathématiques et laissez-vous porter par le balancier naturel du shuffle. Quand vous maîtriserez chaque variation, amusez-vous à les enchaîner dans un ordre aléatoire pour donner de la fluidité à votre jeu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver facilement tous les exercices en utilisant le minutage dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorhythm. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ses lecteurs fidèles. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo.